奉耶稣圣名说话。Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je parle. 感谢神哦，我们现在继续来查考这个主题，独一真教会。Rendons grâce à Dieu, nous continuons d'étudier ensemble le sujet de l'Église unique et véritable. 我们谈到说这个真教会是神亲自设立的教会。Nous avons dit que l'Église véritable est celle qui a été établie par Dieu. 它的主要这个存在的目的是为了要战胜这个阴间的权柄。L'objectif de son existence est de vaincre le pouvoir du séjour des morts. 所以在马太福音书16章有谈到。Donc on nous dit dans Matthieu chapitre 16. 说这个阴间的权柄不能够胜过他。Que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. 这个神的教会的出现，其实在旧约圣经已经预言到了。L'apparition de l'Église a déjà été prophétisée dans l'Ancien Testament. 因为教会的存在的出现跟神这个救赎的这个计划是分不开的。Car l'existence et l'apparition de l'Église ne peut pas être séparées du salut. 我们被教导说这个教会会在两个不同的这个时期出现。Nous avons été enseignés que l'Église apparaît à deux périodes. 我们都知道教会第一次出现是在这个使徒时代，就是五旬节的那一天圣灵降临的时候。Nous savons que la première fois que l'Église est apparue, c'était au temps des apôtres, au le jour de la Pentecôte, au moment où le Saint-Esprit est descendu. 后来教会受到这个外界的影响，异端渗入了教会，教在地上的这个教会就败坏了。Ensuite, l'Église a dû faire face aux hérésies et l'Église qui était sur terre a été corrompue. 那这个属神的教会仍旧在天。对不起。属神的教会仍旧在天。Donc qui appartient à Dieu était au ciel. 那神的时候到了神再一次的建立了他的真教会，就是我们的教会。Et la deuxième fois où Dieu a établi son église, c'est à l'époque de notre église. 这个是我们教会的一个这个道理的模式模范。Donc c'est le modèle de notre église. 我们在看的时候我们有时候在看这个旧约圣经或者预言书那如果有这样的一个模式的话，我们会从中得到很多宝贵的教训。Si nous regardons l'Ancien Testament et les livres des prophètes avec ce modèle, alors nous récolterons beaucoup d'enseignements très précieux. 我们谈过了这个以赛亚书的第一章。Nous avons déjà parlé de Ésaïe chapitre 1. 好，现在我们要再来看一个例子，就是以赛亚书的第二章。Maintenant, nous allons voir un deuxième exemple dans Ésaïe chapitre 2. 我们来看以赛亚书的第二章。Ésaïe chapitre 2. 因为在第二章里头就谈到这个神的山耶路撒冷就是耶和华的这个山必被建立。Ici, on nous parle de la montagne de l'Éternel qui est à Jérusalem et qui va être établie. 那第二节说他要超乎诸山，高举过一万里。万民都要流归这山。Au verset 2, on nous dit qu'elle sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus des collines. 我们教会里头的解释我们的这个教会的主流信仰就是这段经文是指着真教会来说的。Et au sein de notre église, l'explication est que ce verset désigne
l'apparition de la véritable Église. 但是小弟觉得说，我们必须要去找一些怎么说，经文啊，来去支持哈这样的一个论点。 Mais je trouve qu'il faut trouver d'autres versets pour supporter ce concept. Ah,有人这样问。 Car il y a certaines personnes qui posent cette question. 他说这里其实也可以指着那个使徒教会来说的。 Ici, cela peut aussi désigner l'Église du temps des apôtres. 因为使徒的教会也是神所设立的，并且是神先设立的。 Car l'Église des apôtres a été établie par Dieu et l'a établie était établie en premier. 那真耶稣教会只不过是复兴使徒教会的真教会，是后来出现的。 Et la véritable Jésus-Église est l'Église qui a été restaurée après celle des apôtres. 那我们发现就是说，如果这样的一个说法呢，好像怎么讲？你听起来你也不可以说是错啊，那就会把那个我们一般的教导呢，会把它怎么说，混乱掉。 En écoutant cela, on ne peut pas non plus dire que c'est incorrect, mais cela crée de la confusion par rapport à notre explication. 我们已经说过了，我们既然说这是真教会，就幕后真教会的出现，那我们有什么根据？ Alors, si donc nous disons qu'il s'agit la véritable Jésus-Église, à la fin des temps, dans ce cas-là, quels sont les versets qui peuvent prouver cela? 因为使徒教会也有真理，也有圣灵啊，也有神迹奇事随着。 Car l'Église des apôtres avait aussi le Saint-Esprit, avait la vérité et avait aussi les signes et les miracles qui l'accompagnaient. 我小弟常觉得说，这个神的话是很奇妙的。 Je trouve moi-même que souvent que la parole de Dieu est vraiment merveilleuse. 只要我们坚守原有的这道理的这个，我们一定不会走偏差。 Du moment que nous nous attachons à ce modèle biblique, dans ce cas-là, nous ne dévions pas. 就算我们碰到一些所谓的挑战，我们靠着神也一定能够有这个。 这个答案的。 Face aux obstacles, en nous appuyant sur Dieu, nous pouvons obtenir ces réponses. 好，我们现在来看弥迦书。 Nous voyons ensemble le livre de Michée. 你发觉说弥迦书也是谈到同样的这一件事情。 On s'aperçoit que le livre de Michée parle de la même chose. 好，我们来看这个第四章。 Lisons ensemble le chapitre 4. 你发觉到说几乎是一模一样的，第四章的第一节开始到第三节。 On s'aperçoit que du verset 1 au verset 3, il s'agit de la même chose. 那我们怎么证明说这个是指的真耶稣教会来说，而不是这个使徒教会呢？ Comment prouver qu'il s'agit ici de la véritable Jésus-Église et non celle et non l'Église du temps des apôtres. 那当然，末后的日子就是也可以指的是使徒的时代开始，那个末日是从使徒时代那个时候开始的。 La fin des temps peut aussi désigner le commencement du temps des apôtres. 好，那我们可以从两方面来去思想。 Nous pouvons méditer de deux manières. 那第一就是我们在念这个弥迦书的时候呢，我们要从第三章来看。Premièrement, lorsque nous lisons le livre de Michée, il faut commencer par lire à partir du chapitre 3. 那你发觉到说第三章开始最后的那一节呢，是谈到这个锡安山的没落。Le dernier verset du chapitre 3 de Michée parle de la chute de Sion. 这个锡安山呢，变成好像一个乱堆一样。 Elle est devenue un monceau de pierre. 那会有这样的一个情况出现呢，跟之前就是第三章里头所讲论的事情哈、哦，
那些官长的败坏有关系。Et cet événement a un lien avec la corruption des chefs du peuple. 那就好像比如说我们如果看第九节哈，我们就发觉到当时的人那种情形，那些带领的人呢，他们的这种行为是怎么样的？À partir du verset 9, on voit dans quelles étaient les circonstances et quelles étaient l'attitude des gens, des personnes qui guidaient. 他们还是在建立西安呢。Ils étaient aussi en train d'établir Sion. 但是是以人血建立西安，以铸造耶路撒冷。Mais ils le faisaient avec le sang versé et avec la méchanceté. 好，那这个跟使徒教会没落之后呢？是相似的。Et cela est semblable au déclin de l'Église du temps des apôtres. 我们再看圣经哈，新约圣经，你发现到说最后的几卷书啊，重点都放在这个如何来面对这个异端进入教会的事情。On s'aperçoit que dans les derniers livres de la Bible, à la fin, il parle particulièrement des hérésies auxquelles l'Église doit faire face. 那根据这个弥迦书呢，我们知道说，哎，这个教会没落了，这个西安呢，有一段时间没落了。Et donc, selon le livre de Michée, nous voyons que cette Église a été dans le déclin. 那我们都知道说，这个西安就是这个投身的这些的人的教会。根据希伯来书来看哦。Et nous savons que Sion désigne l'assemblée de l'Église, selon Hébreu. 好，那第三章谈到他的没落，第四章再次谈到他的复兴。Et au chapitre 3, on parle donc du déclin, de son déclin, et au chapitre 4, on parle de sa restauration. 所以我们能够很肯定的说啊，这个以赛亚书的第二章跟弥迦书的第四章谈到这个锡安山的出现或者真教会的出现，是指着末后的真耶稣教会来说的。Nous pouvons dire avec certitude que Ésaïe chapitre 2 et Michée chapitre 4 parlent de l'apparition de la véritable Jésus-Église à la fin des temps. 那第二个理由哈。Et la deuxième raison. 我们再看以赛亚书第二章或弥迦书的第四，他谈到说，比如说这个第一节，第四章的第一节哈，弥迦书四章一节。Donc, par exemple, lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 2 et notamment Michée chapitre 4, verset 2. 这里呢，其实是有谈到说神的山跟其他的山的一个对比。Ici, on nous compare la montagne de Dieu avec les autres montagnes. 所以他才说啊，末后的日子，主殿的山必建立超乎诸山，高举。过以万里，万民都要流归这山。Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. 那我们都知道，在使徒教会的哈，只有一间教会嘛。Nous savons que au temps de l'Église des apôtres, il n'y avait qu'une seule église. 当时的教会所面对的就是不同的这些哲学思想啊，这些人的观念的这种挑战。Et l'Église de l'époque devait faire face aux philosophies et à toutes sortes de pensées et de courants. 那我们发现说历史，我们在看历史的时候，那教会开始分裂的就是，比如尤其是马丁路的那个时期过了之后呢，哇，就很多不同的基督教宗派出现。Et dans l'histoire de l'Église, on voit que c'est après l'apparition de Martin Luther qu'est apparu de nombreuses dénominations. 所以我们现在发觉到说，我们现在处在一个非常多的这个
基督教宗派的一个世代里头。Nous sommes dans une période où il y a un grand nombre de dénominations chrétiennes différentes. 所以这里呢，弥迦书里头所讲到呢，这个神的山一定会高过他们，因为这山有神的同在，有神的真理在当中。Et Michel nous dit que cette montagne sera au-dessus des autres, car au sein de cette montagne, il y a la présence du Saint-Esprit et la vérité. 那这个圣经里头所谈到的这个高度，其实是跟这个属于神有关系的。Et la hauteur dont parle la Bible, un lien avec le fait que l'on appartient à Dieu. 我们是高过其他的山，就是说我们这个山是我们这个教会是属神的，因为不是人所建立的。On est au-dessus des autres montagnes parce que cette église appartient à Dieu et n'a pas été fondée par les hommes. 所以你在看的时候，你就知道说，哎，其实里头有神啊，亲自在动工。Et à partir de cela, nous voyons que dans le contenu, il y a l'œuvre de Dieu. 所以我们如果这样理解的话，我们就知道说，哎，其实是指着真教会来说的。Si nous comprenons ainsi, nous voyons que cela désigne la véritable Jésus-Église. 能够达到这样的一个结论，跟我们所拥有这个道理的模式啊，是息息相关的。Et donc pour obtenir ce résultat, cela a un lien avec le modèle que nous avons. 那我们在想嘛，如果圣经不是在讲有关救恩的事情，有关教会的事情，那圣经跟我们有什么关系呢？ Si la Bible ne parle pas de la Bible, du salut, cela n'aura pas de lien avec nous. 所以我们知道说教会会在两个不同的时间出现，是有圣经的根据。Si l'Église apparaît à deux périodes différentes, il y a des preuves bibliques. 我们能够准确的来判断说，这一段经文所讲的到底是讲使徒教会还是末世的真教会？我们可以用这个教会的模式来去这个道理的模式来去判断它。Donc pour pouvoir discerner, de savoir s'il s'agit de l'Église du temps des apôtres ou de celle de la véritable Jésus-Église, dans ce cas-là, il faut s'appuyer sur le modèle de la Bible. 这样我们就不会走差了嘛。Et dans ce cas-là, nous ne dévierons pas. 好，我们现在看回以赛亚书的第二章。Revenons à Ésaïe chapitre 2. 以赛亚书的第二章。Ésaïe chapitre 2.我们知道说这个锡安山出现之后， Nous savons que une fois que Sion est apparu, 那比如说我们从第五节开始念哦， Disons à partir du verset 5. 第六节开始念，对不起。Pardon, verset 6. 那这里就开始看到说，哎，好像神离开他的这个百姓哦，雅各家。Ici, on a l'impression que Dieu a quitté son peuple, à savoir la maison de Jacob. 那我们可能会问呢，哎，如果是真教会的话，哎，为什么会有这样的一个情形出现呢？ Et on se dit, s'il s'agit de la véritable église, pourquoi une telle chose arrive? 那其实我们再看第六节就好了，他有给了一些理由，因为这个地方啊，这个神的这个雅各家充满了东方的风俗。Mais au verset 6, on voit qu'il y a la raison. On voit que la maison de Jacob est remplie des pratiques de l'Orient, de la magie comme les Philistins, et qu'il s'accorde avec les fils des étrangers. 那就是说这个神的教会哈，有偶像的这个进入。Autrement dit,les idoles se sont introduites au sein de l'Église. 那你在念这个第二章、第三章哈，这样的一种描写呢，不断的一个重提啊，被提到。
Et on voit au chapitre 2 et au chapitre 3 que cela est répété. Et au chapitre 2, verset 3, on voit qu'il y a l'orgueil. Par exemple, au verset 11 et au verset 12, on en parle. 你就发觉到说，哎，真的，哎，这个这几章哦，其实在旧约圣经里头呢，重提的两件事就是偶像跟人心狂傲或人心骄傲。 Et on voit ici que dans l'Ancien Testament, il parle de deux choses, à savoir de l'orgueil. Dit que c'est comment? 那个偶像哈，跟人心骄傲。 L'idolâtrie et la deuxième chose, c'est de l'orgueil. 好，那我们现在来想我们这个真教会。 Et maintenant, pensons à notre véritable église. 或者说，我们看看我们自己的生活。 Regardons notre propre vie. 很多时候，我们的心呢，我们在讲我们自己的心，这个心就好了，心境哦，其实里头。 不是完全洁净的，不是说没有偶像，有时候会有啊。 Si nous regardons, examinons notre cœur, nous voyons parfois qu'il y a la présence des idoles. 我们没有很自由的把神的事情放在优先。 Nous n'avons pas librement mis les affaires de Dieu en premier. 很多时候看重的都是世上的事情。 Et la plupart du temps, nous accordons de l'importance aux choses de ce monde. 那我们发觉到说，这些事情呢，很多跟我们信仰一点关系都没有的。 Et on s'aperçoit que ces choses du monde n'ont pas de lien avec notre croyance. 我们再想一想我们自己，那我们在神的面前，在人的面前，是不是一个谦卑的人？ Si on se regarde de soi-même, est-ce que devant Dieu, nous sommes des hommes humbles? 我们在服事的时候，有没有耶稣基督的那些温柔跟谦卑呢？ Lorsque nous servons Dieu, est-ce que nous servons Dieu comme le Seigneur Jésus qui avait un cœur doux et humble? 很多时候我们发觉到说，我们是离这个神所立定的标准呢，还有一段相当长的距离，大的距离。 On s'aperçoit que nous avons une grande distance avec les standards de Dieu. 所以我们才发觉到说，其实教会那么多问题啊，跟这两个旧约圣经里所谈到的有关系，就是偶像跟骄傲。 rencontre beaucoup de problèmes, cela a un lien avec ce dont on parle dans l'Ancien Testament, à savoir... 当我们进入到第四章, 比如说这个以赛亚书的第四章, lorsque nous arrivons dans Ésaïe chapitre 4, 那这里呢, 神就要来洁净锡安, ici Dieu va venir purifier Sion. 因为这个锡安是属神的，神不能够应许锡安常常处在一个不完全的状态当中。 Sion appartient à Dieu et Dieu ne peut pas laisser Sion être dans un état impur. 所以从第三节开始，我们就知道说神要来做一个非常大的一个洁净的工作。 À partir du verset 3, on voit que Dieu va faire une grande œuvre de purification. 神要以他公义的灵呢，和焚烧的灵呢，将锡安女子的污秽洗去。 Donc, il veut nettoyer Sion avec le droit. 那还有呢，将耶路撒冷中杀人的血除尽。 Et il va aussi nettoyer Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle. 这是神要做的工作。 Et c'est l'œuvre que Dieu va faire. 我们也相信说，这个预言呢，会应验在真耶稣教会的这个身上。
Nous croyons aussi que cette prophétie va s'accomplir au sein de la véritable Jésus-Église. Et pour obtenir cette réponse, cela a un lien avec le modèle de notre parole. Il parlait des choses de l'époque, en réalité, cela désigne ce qui se passe au sein de l'Église à la fin des temps. Alors, si nous avons ce point de vue correct, nous ne dévierons pas. Et nous croyons avec certitude que la véritable Église a été prophétisée. 那小弟发觉到说，当我们以这样的一个心态或以朝着这样的一个方向来去努力的话，那我们对自己的教会的教会的教导会更加的相信。 Si je déploie des efforts vers cette direction, alors je connaîtrai davantage l'Église. 好，那我们现在来看这个以赛亚书的11章。 Lisons ensemble Ésaïe chapitre 10. Alors, on va voir Ésaïe chapitre 11. Pardon, Ésaïe chapitre 11. On peut dire que ce chapitre peut être divisé en plusieurs parties, Nous pouvons diviser ce chapitre en deux parties. Premièrement, nous devons nous demander, est-ce que dans ce chapitre, on nous parle de l'Église? Et si c'est le cas, dans ce cas-là, quel est le message que Dieu veut nous adresser? Disons le chapitre 11. 第11章第一节有谈到这个耶西的根。 Ici, au chapitre 11, on nous parle d'un rameau qui sortira d'Isaïe. Et le rejeton de ses racines fructifiera. Nous savons qu'il s'agit ici du Seigneur Jésus. 主耶稣在世的时候呢，神这个完全的这个父啊，这个神住在他的心中。 Lorsque le Seigneur Jésus était sur terre, le Père Céleste habitait pleinement en lui. 好，那我们发觉到说，在这一章里头呢，也有谈到教会。 Et on voit que dans ce chapitre, on nous parle aussi de l'Église. 好，我们来看这个第九节。 Disons le verset 9. 我们看这个11章的9节。 Disons le chapitre 11, verset 9. 那在我圣山的偏处, 这一切都不伤人, 不害物, 因为认识耶和华的知识, 要充满偏地, 海洋一般。 Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. 好，那在这一段经文里头，我们发现说主耶稣的这个诞生，哦。On voit ici que la venue du Seigneur Jésus. 当然就是把神的公义跟这个信实啊，向世人来显明。A pour objectif de manifester la justice et la connaissance au peuple. 那主耶稣能够做到这一点，是因为他蛮有神的这个灵的人呐，神的灵住在他身上。Et si le Seigneur Jésus pouvait faire cela, c'est parce que l'Esprit de Dieu habitait pleinement en lui. 那同样的，相信他的人呢，就成为神的教会了。De même, ceux qui croient en lui deviennent son Église. 那
在这个圣山里头的人呢，一定要在行为上有很大的改变。Et ceux qui habitent sur cette montagne doivent avoir un changement au niveau de leur comportement. 所以从第六节到第九节，看到说以这些凶暴的这些猛兽来去描写说，他们来到圣山之后，他们也会改变。Et du verset 6 au verset 9, on voit que tous ces animaux qui étaient violents, une fois qu'ils sont arrivés à la montagne, sont changés. 能够跟那个温顺的这些动物哈、同居啊。Ils peuvent vivre en communauté avec les animaux qui sont doux. 那你非要说这个就代表什么呢？神所建立的教会呢，是把烟愁除掉的一个地方。烟愁。Hostility 哈、啊。Donc, on voit ici que l'église qui a été établie par Dieu est un lieu où on ôte l'hostilité. 这个在这个以弗所书啊，保罗有谈到了哈、哦，神让我们跟他和好，跟人和好是在哪里呢？是在他的身体里头和好。On voit que dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul a dit que si nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est dans son corps. 好，那这个我们这样看的话，我们就知道说，哎，他其实是在讲教会哈、哦，教会里头。神所要看到的是什么？ Et on voit ici qu'il s'agit de ce qui se passe au sein de l'Église. 好，现在我们重点呢是放在第二段。Donc notre point principal, nous le mettons dans la deuxième partie. 好，我们说这个这一段呢，尤其是在十一节开始哈，到十二节，这里有谈到说这个教会的出现。À partir du verset 11 et au verset 12, on parle de l'apparition de l'Église. 而且呢，是谈到教会两次的出现。Et on parle de l'apparition de l'Église en deux fois. 好，那当然我们不可以随便说啊，这里是指着教会来说。我们说有什么证据？ On ne peut pas juste dire qu'il s'agit de l'Église sans avoir apporté. 好，我们先来看第十节哈。Lisons le verset 10. 十一章的第十节。Chapitre 11, verset 10. 那到那日，耶西的根立作万民的大旗，外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。Alors en ce jour, la racine d'Isaïe, qui se dressera comme une bannière pour les peuples, sera recherchée par les nations.Et son emplacement sera glorieux. 那他谈到到那日哦，这旧约圣经常常是这样讲，到那日或在末后啊，其实都是指着那个新约的那个使徒教会那时代开始来讲的。Dans l'Ancien Testament, lorsque l'on parle de en ce jour, de ce jour, cela désigne le temps du temps des apôtres. 好，所以他说到那日。那这里有三个重点，我们可以注意。Lorsqu'il parle de en ce jour, il y a trois points sur lesquels on peut prêter attention. 这个跟耶西的根有关系，这是第一点。Premièrement, cela a un lien avec la racine d'Isaïe. 我们都知道说耶西的根就是这个大卫的这个后裔嘛，耶稣是从他那里出来的，是从他那一条线出来的。Nous savons que la racine d'Isaïe désigne la descendance de David, qui d'où vient le Seigneur Jésus. 他要成为万民的大旗呀。Il deviendra une bannière pour les peuples. 那这个到底是在说什么？ Donc de quoi s'agit-il ici? 我们来看这个诗篇的六十篇。Lisons ensemble le psaume 60. 请打开诗篇的六十篇，我们来念第四节。Lisons le psaume 60, verset 4. 六十篇的第四。60, verset 4.
你把这个旌旗赐给敬畏你的人，可以为真理扬起来。第四节。Verset 4, 你可以重复用中文说吗？这个旗哈是赐给敬畏他的人。C'est au verset 6. Donc cette bannière est donnée à ceux qui croient en lui. 可以为真理扬起来的。Et donc elle est dressée en faveur de la vérité. 所以这里其实这个旗哈是代表是什么？是用来显明真理了的一个，好像一个工具，叫显明真理。Cette bannière est un instrument utilisé pour manifester la vérité. 那主耶稣就是这个大旗啊。Et le Seigneur Jésus est cette grande bannière. 他来到世上是要讲明神国的福音。Il est venu dans ce monde pour parler de la bonne nouvelle du royaume. 让人能够知道这个真理啊，能够得到救恩。Pour que les hommes puissent connaître la vérité et avoir accès au salut. 好，所以好，我们说这里有谈到真理。On voit ici qu'il s'agit de la vérité. 好，我们倒回以赛亚书的第十一章第十节。On revient dans Ésaïe chapitre 11, verset 10. 第十一章的第十节。Ésaïe chapitre 11, verset 10. 那这里有谈到他安息之所大有荣耀。Ici, on nous dit que son emplacement sera glorieux. 在圣经里头，锡安是神的安息之所。Dans Sion, Sion est un lieu qui est recherché. 而且是永远的安息之所。Et donc, c'est un lieu qui est en paix pour l'éternité. 那就是说神不会离开的。Autrement dit, c'est un lieu que Dieu ne va jamais quitter. 虽然世上的，那我们说使徒的教会没落了，但是天上的教会还仍旧存在，是神在其中当王的。Même si l'église des apôtres sur terre a connu un déclin, en réalité, l'église de Dieu est dans les cieux. 好，那我们再看使徒教会哈。Si nous regardons l'église des apôtres. 使徒的教会的开始是耶稣开始的，是耶稣建立的。Le commencement de l'église des apôtres a été établi par le Seigneur Jésus. 那使徒教会的真理当然也是从耶稣来的。Et la vérité de l'église des apôtres vient du Seigneur Jésus. 那我们也知道说那使徒教会发展的时候，很多这些外邦人都来归信了。Nous savons que lorsque l'église a grandi, de nombreux païens sont venus croire. 我们可以说这些得救的人使徒时代这些得救的人让神得到很大的荣耀。Nous pouvons dire que les personnes qui ont cru du temps des apôtres ont glorifié Dieu. 我们这样看的话，我们就明白到说，他其实是在讲使徒教会。Et à partir de là, nous voyons qu'il s'agit ici de l'église du temps des apôtres. 那第十一节开始到十二节，这是谈到真教会，就是我们这个世代的真耶稣教会。Et du verset 11 au verset 12, on parle de la véritable Jésus Église. 那你可能会说，你有什么？你怎么可以这样讲呢？ Et vous pouvez vous demander, mais comment peux-tu dire cela? 我们可以从这里找到一些所谓的一些论点了哈。À partir d'ici, nous voyons quelques points. 那这里有谈到说主必二次伸手救回自己百姓中所遗剩的第二次哈。Ici, on nous dit, en ce jour, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. 那还有呢，在第十二节里头呢，他又再一次的扬起这个大旗。Et encore une fois, au verset 12, il élèvera une bannière pour les nations.
一定会做的，是将来会这样做的。Et c'est certainement qu'il va le faire dans l'avenir. 啊，那就是说啊，这个大旗第一次被啊扬起之后啊，那后来就消失了，所以需要再一次的被树立起来。Et donc cette première bannière, la première fois, a été a connu un déclin, mais a donc eu besoin d'être élevée une deuxième fois. 啊，所以我们可以，这个是第一点啊。Et là, il s'agit du premier point. 好，那第二点。Deuxième point. 啊，我们如果看第一次这个大旗扬起来的时候呢，它的范围哈，它所提到的人呢，就是外邦人。On voit que la bannière qui a été dressée la première fois a été face aux païens. 啊，那就是你看使徒教会哦，真的是这个福音后来就超越了这个犹太人的界限，进入到这个外邦的地区。Nous savons que du temps des apôtres, la parole a été a surpassé le peuple juif et est allée jusqu'aux païens. 啊，那就很多的这些啊，后来很多的外邦人来信啊，归信主。Et après, beaucoup de païens se sont convertis et ont cru au Seigneur Jésus. 好，当我们在看这个十一章的第十一节的时候， Mais lorsque nous lisons le chapitre 11, verset 11, 那我们发现到说这个范围啊是非常广的。Nous voyons que cela est très étendu. 啊，那这样看起来几乎包含了整个世界。Et cela inclut le monde entier. 我们再看我们今天的真耶稣教会哈，我们所要传讲的福音要怎么说？要普及整个世界嘛。La parole prêchée par la véritable Jésus Église est aussi prêchée sur toute la terre. 而且呢，这里有特别谈到说哈，十二节哈，从地的四方或四角。居居分散的犹太人啊，从四个不同的地方把属神的人啊都招回来。Au verset 12, on nous dit qu'il recueillera les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Autrement dit, il va rassembler toutes ces personnes. 啊，我们知道说这个使徒教会他们只到地的一角。Nous savons que l'église des apôtres s'est arrêtée à un coin de la terre. 啊，当时啊，他们所到的就是最远的，就是西班牙了。À l'époque, ils sont arrivés, le plus loin où ils sont arrivés, c'était l'Espagne. 啊，那但是今天我们要到的哈，就是四角，就是世界的每一个角落。Mais aujourd'hui, nous devons aller jusqu'aux quatre coins de la terre. 好，那这个第二次这个旗要被竖起来的时候说。所包括的范围啊，是全球的。Et donc, cette bannière est élevée pour être élevée à toutes les nations. 啊，所以你会发觉到说，哎，很奇妙哈，哎，圣经所讲的其实跟使徒教会所发生的，或者是真耶稣教会目前的这个状况啊，都是一致的。On voit ici que ce dont parle la Bible aussi bien au sujet de la véritable Jésus-Église que celle du temps des apôtres, il parle de la même chose. Il y a une chose sur laquelle je voudrais insister. Si nous ne nous attachons pas à ce modèle de la parole au sein de l'Église, alors nous n'obtiendrons pas ce résultat. Et cela veut nous dire une chose importante, c'est que la parole de l'Église vient de Dieu. 小弟常常这样想啊，既然是神开始，神所给予的方向，当然就一定不会错。Et moi, je pense que si ça vient de Dieu, et si c'est Dieu qui donne cette direction, certainement, cela, on ne sera pas dans l'erreur. 只要我们大家能够把
我们的信仰建立在这个基础上啊，我们在查考圣经的时候就能够什么，能够把不同的这个的经文啊，这都能够连接起来。Du moment que tous nous sommes sur ce fondement-là, alors nous pourrons relier tous les versets ensemble. 啊，不单只让我们对教会这个圣经的道理更清楚啊，其实让我们对教会的道理会更确信。Non seulement nous comprendrons davantage plus clairement la Bible, mais nous serons encore plus certains de tout ce qui concerne l'Église. 啊，所以我们在看的时候，我们就明白了，真的就是这样。 Et lorsque nous lisons cela, nous voyons qu'il s'agit réellement de tout cela. 啊，所以小地方就这样说，不管别人怎么来挑战教会的道理，只要我们朝着这个。 起初的这个原有的这个方向来去查考道理的话，一定不会走差。 Donc je me dis que qu'importe les obstacles auxquels nous devons faire face, du moment que nous nous attachons à cette direction-là, dans ce cas-là, nous ne dévierons pas. 反而我们会对自己的所领受的道理会。 越来越确信，而且是充满喜乐的，满心喜乐的。 Mais à l'inverse, nous serons encore plus certains de la parole et nous serons remplis de plus en plus de joie. 好，所以我们在以赛亚书，我们就可以看到说，教会会在两个不同的时间出现。 À partir du livre d'Ésaïe, nous voyons que l'Église apparaît à deux périodes différentes. 我们其实在比如说在这个弥迦书，我们也可以看到。 Et nous avons aussi pu le voir dans le livre de Michée. 教会没落了之后，后来神又兴起了教会，就好像我们的信条所讲的一样，这一书教会是复兴使徒教会的真教会。 Après le déclin de l'Église des apôtres, Dieu a à nouveau restauré l'Église, comme on peut le voir dans les articles de foi. 当然，我们如果去查考这个弥迦书，其实我在正道已经讲过了，他有理由的。他为什么这个神最后会离开这个使徒教会？ Et lorsque l'on étudie le livre de Michée, on peut voir pourquoi Dieu, à la fin, a quitté l'Église, l'Église des apôtres a eu un déclin. 那第一就是因为妥协。 Premièrement, c'était à cause des compromis. 那就是这些官长，他们没有遵照神的吩咐来去做。 Les chefs du peuple n'agissaient pas en fonction des instructions de Dieu. 好，那当然还有就是说，后来这个圣灵也离开了。 Et ensuite, l'Esprit Saint les ont quittés. 先知听不到神的话。 Car les prophètes n'écoutaient plus la parole de Dieu. 那再进一步，我们发现到说，这些败坏，这些不好的事情就进入了。Et ensuite, on voit que toute la corruption est entrée à l'intérieur. 所以我们就知道说，使徒教会没落了。 Et donc, on voit que l'Église des apôtres a connu ce déclin. 我们在对照这个新约圣经，我们就会更肯定的，更清楚看到说，使徒教会到尾声的时候，所针对的问题都是跟异端有关系。 Et on voit dans le Nouveau Testament qu'à la fin de l'Église du temps des apôtres, les obstacles auxquels ils devaient faire face, c'étaient les hérésies. 你如果看这个新约圣经，Si on regarde le Nouveau Testament, 我们看启示录就知道说有两个时期。 En lisant le livre d'Apocalypse, on voit qu'il y a deux périodes. 那你会这样问，为什么旧约神这样把这个教会分成两个时期，到新约的时候，启示录他也是这样把它分成两个时期呢？ On peut se dire, mais pourquoi dans l'Ancien Testament
Dieu parle de deux périodes et aussi au temps dans le livre de l'Apocalypse. 因为在神的这个意志当中啊，这个神的全知当中啊。 他知道说以后教会的演变会这样。 Car sous le pouvoir de Dieu, il sait que l'Église va devoir faire face à ça. 好，那我们 下一节哈再来谈。 Donc on va en parler à la prochaine session. 我们一起来默祷。 Prions ensemble.